Je représente la filière gestion d'actifs, puisqu'il y a plusieurs business chez JP Morgan. On a bien sûr la banque d'investissement, la banque privée, la banque de réseau aux États-Unis, le réseau Chase Manhattan Bank que je pense que tout le monde connaît. Quel intérêt de rejoindre un groupe premium du coup ? Pour nous, c'est travailler avec les leaders, leur apporter des solutions plus internationales, plus globales. La définition et l'intérêt aussi de verser un dividende, bah, tu le dis, tu viens de le dire, hein, c'est fidéliser, c'est encourager, c'est remercier en quelque sorte. Exactement, et montrer la bonne santé aussi de l'établissement. Et la régularité aussi, c'est ce qu'on va chercher très clairement dans ce type de produit. Quand on pense dividende, voilà, on va penser automobile, finance, tout à fait. Mais l'intérêt et la construction de ce fonds, c'est que ce que je disais tout à l'heure, il n'a pas de billet de style. Et on va également s'intéresser à des entreprises de croissance et notamment des semi-conducteurs. Okay. Où on va avoir des entreprises où il y a un fort taux de croissance du dividende. On va investir dans 4 sous-secteurs de la santé, c'est ça qui fait la richesse de ce produit. On va avoir les entreprises pharmaceutiques, on va également avoir des entreprises de biotechnologie, ouais. Et c'est là où on va chercher vraiment l'innovation, aller plus dans ces entreprises. Et on va également avoir les services de la santé et les technologies médicales. Donc ça fait quelque chose d'assez résilient.